Salut tout le monde, aujourd'hui donc vidéo qui normalement n'aurait pas dû paraître sur ma chaîne à ce moment précis. Elle aurait dû paraître lors de mes vacances au ski. Comme je vous l'ai dit sur la dernière vidéo disponible sur ma chaîne, je vous avais préparé on va dire une série de vidéos qui devait être publiée pendant ma semaine au ski. Mais avec les événements forcément je ne les ai pas publiées. Cette vidéo là je pense qu'elle devrait vous plaire. À la base j'aurais dû vous publier le rien à la télé passé une certaine période, enfin une heure et demie avec la TNT, mais je vais justement garder cette vidéo un petit peu plus tard dans la semaine, tout simplement parce que le rendu était beaucoup trop long pour que je vous la poste dans les temps ce soir. Donc j'espère que vous allez kiffer cette vidéo, que vous allez passer un bon moment avec moi, et du coup vous allez comprendre le titre de la vidéo. Le titre de la vidéo est assez spécial, mais vous allez comprendre pourquoi. Je vous propose un petit live sur BO3, donc je ferai sûrement des cuts histoire de vous récupérer que les bons moments. Sincèrement, BO3, c'est un film de cul tellement je le kiffe. Sincèrement, je crois que c'est le Call of Duty que j'ai aimé du début jusqu'à la fin. La plupart des Call of, au bout d'un moment, je commençais à me lasser, mais c'est vrai que ce jeu, c'était vraiment toujours un kiff. Donc, on va arriver sûrement dans une partie commencée. On va arriver, sûrement les adversaires vont rouler dessus à mes partenaires. Et voilà, déjà j'ai entendu streak. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre comme classe? On va prendre ça. Bon, ils se font clairement rouler dessus. Ils se font clairement rouler dessus. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Et au pire, si on n'arrive pas... Voilà. Si on n'arrive pas à faire une petite game dessus tranquille, on essaiera la partie d'après de se venger justement. Alors, est-ce que ça va venir devant? Ah là, sur le côté. Ah, je peux pas... je peux pas le gérer... Le bac, je peux gérer tout partout tout seul, on va dire ça comme ça. Alors, peut-être on va réussir à faire au moins un frag quand même, ça serait quand même cool. Ok, voilà, là j'ai une assist, hein. Ça fait plaisir. Alors on a un petit drone, il y en a un qui devrait arriver devant moi. Ok, et de 1 seulement. Ouais, les mecs ils sont en place, clairement, je suis arrivé dans une partie où mes partenaires... se faisait clairement rouler dessus. Donc voilà. Ils sont contents. Ils sont au groupe de 5 je crois. 1, 2, 3, 4. Ils sont au groupe de 4. On va essayer. C'est moi de tout à l'heure ça. Ouais ça c'est moi de tout à l'heure. Ah ouais, en plus le shoot il est pas au rendez-vous hein. Bon après il était en saut donc on va rien dire. Bref. Première partie. J'arrive dans une game commencée. Je me fais enculer 3 fois pour faire un seul frag. On va... tenter justement de faire beaucoup mieux sur la partie d'après. Ok, toi t'es pour moi. Ok, toi t'es pour moi aussi. Et maintenant, on leur fait croire que on va s'en aller, mais on revient. On revient par ici. On revient par là même. Ok, je crois qu'il y en a un dans la petite maison, dans la prairie. Oh, mon shoot il a pas été radical du tout là. On va s'enfuir parce que là on va sûrement avoir des adversaires. Alors on va lâcher un petit drone. Voilà, je vais laisser mon pote se faire tuer parce que là lui il va clairement se faire buter. Voilà, c'était sûr. Ok, il m'a balancé un truc crade. Alors on va essayer d'aller sauver B. Alors il est où? C'est bon ça. D'accord, ça va arriver ici. Regardez, ici. Toi, t'es pour moi. Un autre. Un autre. Un autre. Est-ce qu'il y en a un autre? 110. Il me faut 110 points. 110 points pour justement pouvoir... justement avoir... mes streaks qui vont logiquement... Ok. On a le hater. On a le Hater Report. Alors lui normalement. Ah, on a que 12 munitions. On a plus que 12 munitions les potes. Alors attendez. Est-ce qu'ils vont venir me rush? Il y en a un qui veut rush la maison. Ok, on va prendre son arme. Qui est une hache HG30. Ok. D'accord, toi t'es pour moi. Suivant. Suivant. Suivant, non, oui, peut-être. Est-ce possible que plus subjonctif. Pour ceux qui ont fait de l'espagnol. Allez, vas-y, remontre-toi. Non, il s'est pas remontré. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir? Faut pas qu'il revienne, faut pas que je meure.
Voilà. Ok, pour le moment, ça se passe plutôt bien, les potes. Ça se passe plutôt bien. Là, je vais activer donc mon noyau. Je vais activer mon noyau. Activer mon petit drone. Voilà. J'active ça. Du coup, à moi, les assistances. J'ai pris des balles. Il faut pas que j'aille au duel. Au contraire, hein. On va la jouer tranquille. On va la jouer. J'espère que l'autre va réussir à prendre la peau. Voilà, écoutez, si on arrive. Voilà, le hater de nouveau. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On va aller rush sur A. Ils s'entraînent tous spawn justement sur A. En plus, ça me rush moi directement. Ok, merci pour les frags. Ça, c'est bon. Attention. 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 Ne faisons pas d'erreur de noobie. Ne faisons pas d'erreur de noobie. Parce que ça serait quand même triste. Alors, est-ce que ça va nous prendre A? Lui il est pour moi. Lui il est pour moi. Lui il est pour moi aussi. On est en implacable. Non les potes, j'ai pris des balus. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ok, ça spawn justement ici. Voilà, toi t'es à moi. Il me reste que... Call of Duty, ça les potes. C'est Call of Duty. Un coup de couteau est toujours plus efficace que des balles. Allez, c'est pas grave. Il y a encore le temps. Il y a encore la place. Hein. Ok. 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 Il y en a un qui est pour moi là. T'es muerte. T'es muerte, mon pote. T'es muerte de chez la muerte. Putain, je suis tellement deg. Allez, vas-y, tu te remontres. Oh, le shoot. Le shoot n'est pas radical là. Le shoot est très loin d'être radical. Le shoot est très très loin d'être radical. Et encore une fois c'était une KN les potes hein. Encore une fois c'était une KN qui m'a enculé. Allez on va essayer de rush. Bon ce que je vais essayer de faire après. Oula putain lui il lag de ouf. Ok toi tu prends ça. Il y en a un qui va arriver. Ok je prends tout de suite ton HG40. Parce que tout à l'heure j'étais en manque de munitions. J'ai pas envie que ça se reproduise. Hein. Ok. Voilà. Donc où est-ce qu'on va passer? On va passer peut-être par là. Il devrait y avoir du poteau par ici. Hein. Ok, il y a personne. Ah si, il y a P7 et quelqu'un. Allez vas-y, sécurise B poteau. Putain, il veut... Ah voilà, sécurisez B les potes. Je vous protège. Attendez, je vais passer sur mon AR. Ça va être plus simple pour vous protéger. Allez, bien joué pour B les potes. Vous avez fait le taf, j'ai kiffé ça. Alors on va peut-être attendre dans la manche suivante. Par contre, on n'a pas gagné hein. On n'a pas gagné. Attention le spawn qui est à gauche là, à droite qui peut vraiment être problématique. On n'a pas gagné. La partie est intéressante les potes. Il y a énormément d'engouement dans cette partie. Je kiffe BO3. Je kiffe BO3. Et tous ceux qui vont me dire Karim, c'est bizarre, tu surjoues les potes, je suis en pleine forme, je pars en vacances dans quelques heures. Je vous fais une vidéo sur BO3, BO3 étant mon jeu de, je vais pas dire de prédilection, mais presque. Donc voilà, soyez contents pour moi les potes, soyez contents pour moi. Allez on active ça, voilà, 150 points, on est parti. Par contre il y en a un, il a mis son, comment dire, son colis à l'opposé de là où il est. Donc c'est un peu bizarre hein. Ok, ils vont être là devant moi. Et de 1. Allez vas-y montre-toi toi. Et de 2. Et de 3. Ils sont tout autour de moi. Et de 4. Non. Non je vais pas mourir. Putain de merde. Bon ok. On a le hater. Là franchement si on arrive à avoir le titre nucléaire avec le peu de temps qui... Wouh. Il avait quoi comme arme? Ah ouais il avait la gorgone. La gorgonzola. Pour ceux qui connaissent ce fromage italien qui pue la mort. Ok. Ok. Ok.
Alors, écoutez, je vais attendre un petit peu. Je vais pas direct. Ah, j'avais pas vu le mec à droite. J'étais en train de scope le mec sur le côté, je l'ai pas vu. Bon, écoutez, je vais défendre A, hein, parce que voilà, c'est pas le tout, mais. Wouh! Oh là là, heureusement que t'avais une petite arme, toi. Voilà. Bah écoutez, là pour le coup ça se passe plutôt bien. Il y en a un qui est à gauche là-bas. Je vais lui défendre notre point C. Ok. Ok. Ok, c'est sur A. On va aller rush du coup A plutôt. Voilà, on va perdre A. Là il y en a un pour moi. Il y en a un deuxième qui était par là. Oh là, ça va être tous en face là. Ils sont en face. Ok, encore un? Encore un? Non, c'est pas le cas. Ok, on envoie ça. On envoie ça. Et surtout, on ne meurt pas. Oula, j'ai failli me faire frag. Oh, la frag, la grenade, la grenade. Non, là, il est mort. Mais non. C'est quoi cette poisse? Je suis un poisseux, putain. Je suis un vrai poisseux. En fait, mes haters, ils servent pour les potes, quoi. Ils servent pas pour moi. Ok, lui, il s'est fait fraguer tel un petit noobs. Ah, dommage. Franchement, je fais des erreurs, mais tellement stupides. Tellement stupides, les potes. Allez, viens ici. Non, t'es derrière. T'es en train de prolonger. Ça, c'est un déplacement très intelligent. Mais malheureusement, il ne sera pas payant. Parce que je te poursuis tel un steak. Ok. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Le mec, il rush. Le mec, il est motivé, quoi. Il est pas statique comme... Ok, il y en a un qui est là, logiquement. Alors j'ai entendu drone ennemi en approche. Non! Oh putain! J'ai remarqué que quand je joue et que j'ai pas envie de mourir, je pars un peu dans les aigus. Hein? Ok, toi tu meurs. Ok, on va aller ici. Par contre, j'ai pas réussi à être de nouveau en série depuis tout à l'heure. Que des hits! Que des hits! Alors je dis pas que j'avais un shoot radical, mais voilà quoi. J'avais même un shoot qui pue à la merde. Et on le voit là. Alors lui il prolonge comme d'hab. C'était pas le même. On m'aurait menti. Ok, lui il est pour moi. Lui il va se prendre un coup de crosse. Un coup de crosse suivi d'un coup de. Ball. Ok, ok, ok. Voilà, ça va arriver en face de nous. Ok, t'es mort. Ça va arriver encore en face de nous. Ok, t'es mort. On lâche ça. On lâche ça. Ah, bien joué. Mais malheureusement, pour toi, j'ai activé mon... Toi, tu meurs. Il y en a un qui est juste à ma droite. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs aussi. Allez, les gars. Allez, on prend la peau. On prend la peau. Non, on a gagné la game. On a gagné la game. C'était tendu. C'était tendu comme un stream. Voilà, ce jeu, c'est un kiff. Ce jeu, je kiffe. Voilà. Je retourne sur Modern Warfare 3, Modern Warfare remasterisé. Je pète un plomb. Je retourne sur IW. Je pète un plomb. Je retourne sur Black Ops 3. Je kiffe ma race. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Je ne comprends pas, les potes, que vous n'arriviez pas à kiffer ce jeu. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Alors peut-être parce que vous n'avez pas la co dessus, peut-être que les sauts ça vous saoule, peut-être que les spécialistes vous saoulent. Je peux le comprendre, mais dans ces cas-là, comprenez aussi que moi je kiffe ce jeu. Et toutes les personnes qui kiffent ce jeu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu qui fait plaisir et qui va me donner une indication sur le fait que vous vouliez ou pas que je fasse une semaine spéciale Black Ops 3. Une semaine spéciale Black Ops 3. Du Black Ops 3, du lundi au dimanche. Plein de gameplay. Du zombie. Et même, pourquoi pas, du free run. Vous vous souvenez du free run, ce mode de jeu? Pourquoi pas faire un défi avec un de mes collègues youtubeurs, Skyrose, ou un défi sur free run. En free run plutôt.
Attends, je suis en train de me poser une question. On peut pas aller en freerun à deux. Il faut que c'est chacun de son côté. Comment je pourrais savoir si, justement, la personne ne triche pas? Hein? Non pas que je prends Skyros pour un tricheur. Bah à la rigueur, je pourrais peut-être le faire avec PG. Bref, une semaine spéciale BO3. Moi, ça me tente. Est-ce que vous, ça vous tente? Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à lâcher le like, les potes. On lâche le like. C'est appuyer sur un bouton. Clic, t'as lâché un like. Moi, tu m'as fait bander et ça fait plaisir. Si t'as envie de me faire... Non, je plaisante. Bref, lâchez un commentaire aussi. Ça me plaît vraiment beaucoup d'avoir vos commentaires. Je les lis énormément. Voilà. Salut les potes!